demandé révocation ministre la justice là fait dans le système d'appareil justice là. Pour moi, c'était pas dans la bonne direction, dans 100 pas que pour faire. Nous pouvons battre bravo parce qu'il était 98 autres pas pour faire dans une situation de dégradation désastreuse, dans une situation catastrophe, système judiciaire. Ça veut dire des révocations du commissaire gouvernement ne va pas permettre de battre bravo. Tout simplement, nous connaissons le commissaire gouvernement, c'est comment dirais-je, physique, c'est une physique de système là. Chaque fois que vous sautez, vous sautez des physiques, ça, mais ça veut dire qu'on terre, pas moyen. Comment nous comprenons aujourd'hui, pour le ministre de la Justice, Maître Carlos Erkil, pouvez joindre toute plainte ça contre le commissaire gouvernement alors que CSPJ est certifié. Comprenez bien, oui? Pour nous montrer comment bagarre la grave, alors que CSPJ patas ta doué avant même certifier yon commissaire gouvernement, li ta doué mener des enquêtes pour garder est-ce que commissaire gouvernement yo fait travail yo en conformité à la loi. Est-ce qu'il n'y a pas de soupçon de corruption? Est-ce qu'il n'y a pas de soupçon d'action côté APJ de façon arbitraire, de façon illégale? Avant même de certifier, ça veut dire aujourd'hui, ça m'a demandé, pendant qu'on a parlé de commissaire gouvernement, pour nous garder tout fonctionnement, le CSPJ qui l'a pour certifier le commissaire gouvernement, soit pendant la fonction, soit avant la fonction. C'est de même pour commissaire. Et vient non ah et pas commissaire vient et Blaise Guillaume comment pour CSPJ certifier un commissaire gouvernement que tribunal de référé une ordonnance pour dire pas compétent pour juger parce qu'il a une accusation voler vient sous dos gain constat gain procès verbal. Il a assassiné avocat yo qui t'a mené procès. Hein? Barreau pour des bouquets, personne ne va dire rien. Il y a un commissaire Edler Guillaume tout puissant. Il y a un commissaire qui joue un droit, qui est un criminel qui ferme en de prison. Le commissaire a trouvé lui fait mort par Zvila, il prend mon nom dans 5 ans, il a compris mon nom. Et puis je dis à M. Sap vive Canada. Il prend 300 000 dollars dans la main. Si monsieur, mon qui fait pour son genet, ça, comment qui te touye, des tiatis, et qui te ensemble avec artiste ça, comment nous l'avons? Misty Jean, ok? Il a assassiné deux jeunes tiatis, nègre la rende tête libre à la justice, et le Guillaume fait un tellement pour nègre la pour faire, en façon pour faire connaître mon amour, hein? Et puis CSPJ certifié monsieur ça qui est retiré et le Guillaume quoi des bouquets c'est par rapport avec l'agent ça qu'il prend non mes famille Britoyo et puis le mort sans jour dit si monsieur passe par l'agent avec il pas arrêter commissaire gouvernement quoi des bouquets il entend avec ministre justice qui était là dès lors il voyait l'inch il séparer l'agent au niveau ministère qu'il a il transférer l'inch retirer en bas en mort sans jour. Et c'est nommé ça qui va venir commissaire gouvernement de Port-au-Prince. Sous toute l'autre petit commissaire gouvernement de Port-au-Prince, qui nous connaît des gens sérieux, des gens compétents dans le parquet de Port-au-Prince qui est capable de commissaire gouvernement. Voilà que même commissaire ça, je dis, malheureusement, nous avons préparé pour nous être capable de notifier le ministre justice là, lettre de plainte que nous avons déjà déposée au niveau CSPJ côté de Guillaume. Pour voler viande, pour des crimes, pour des actes, pour des actions arbitraires illégales qu'il a fait. Bon, si on a dit c'est tant mieux que le ministre prend l'initiative de retirer voler viande dans le paquet. Nous voulons pour petit Edler Guillaume. Toute famille connaît qu'Edler Guillaume débarque dans un restaurant,
il joue une viande, il vole les bombes viande, nous nous mettons dans la machine, là il mange la petite madame, il traîne le tribunal, il juge pour voler viande, le tribunal de référé dit pas de compétence pour juger les gens qui volent viande, il voit le dossier par devant l'autre juridiction. Pour avocat, il ne pas poursuivre le dossier, il fait vite l'homme, assassiner des avocats. Voilà que c'est nom ça. Qui vient commissaire gouvernement, qui t'a même osé mettre mandat d'amener de M parce que m'a dénoncé dérive, m'a dénoncé Zach arbitraire, m'a dénoncé gang qui envahit le pays depuis le monsieur arrivé par Oguen. Pas oublié, depuis le monsieur arrivé commissaire gouvernement par Oguen, pas jamais aucune opération contre gang armé, contre bandit. Pour qu'on ait un commissaire qui a fait ça, qui a fait c'est celle monsieur avait dit son façon pour montrer nous que c'était commissaire. On a le Richemont que moi-même de parler nous parle nous te parlons fois avec lui dans téléphone il y a des monde très proche lui parle avec lui dit monsieur on va le nous dit retire corps dans son rien dans son frère tout là ou pas capable pour montrer pour excès de zèle pour oublier que courir un bouquet là-dedans l'on courir pour aller vers côté ou bouquet ou pas capable assassiner yo journaliste pour opinion moi-même chaque fois me te connais commissaire gouvernement impliqué dans l'assassinat de Tess Gary. C'est le propre policier Cavel qui témoignait, qui dit que il était parlé de commissaire gouvernement dans la juridiction qui est au courant que c'est commissaire même qui bail l'ordre pour touiller Tess Gary. Et qui a tué Tess Gary vraiment? Oui, qui est plus celle qui bail l'ordre là. Moi même si je menti après deux commissaires gouvernement qui dans la même juridiction, qui est ensemble avec le commissaire. Des policiers qui n'ont pas trouillé, qui n'ont pas comme policier. Nous avons Chito, militant PHTK Okaï. C'est parce qu'il y a tellement d'informations, il a dénoncé, parce que c'était des amis commissaire gouvernement, on a richement, et ils étaient ensemble. Et puis, qui dit oui, nous te dit non, puis Galfel, peut-être ça, il y a dans la prison, et Chito dans la prison, il n'a pas jamais libéré. Il est tiré dans la prison, il vient mettre là, à manger prison dans Carrefour. Alors c'est Chito pas fin, seulement Chito, seulement dénoncé le commissaire. Il te dit non, puis gal rentre dans le bagage ça. Comme on comprend nos commissaires gouvernement, qui sont un technicien en droit, qui sont professionnels du droit, ils connaissent parfaitement la loi dit en matière de la question écriture, faux en écriture privée ou publique, c'est crime. Le commissaire falsifié ordonnance juge d'instruction. Il refait signature juge d'instruction pour le cas de la faire parler, pour le capable de troubler plus la scène de criminalité. Est-ce que vous comprenez? C'est un mal qui est derrière. C'est bien malheureux, c'est comme ça. Monsieur fini. Parce que les nègres là où il y a des gens, ils ne vont pas comprendre rien. Il dit moi-même, pour moi-même, ministre de justice qui l'a, qui est M. Carlos. Des instances pour responsable ça qu'a fait là. Conseil créé qui est sept présidents, sept têtes là. Depuis là, il est installé là, il a dépensé l'argent de l'État. Il a gaspillé un. Il n'a pas jamais fait de déclaration définitive pour eux. Il n'a pas jamais déclaré de faire déclaration patrimoine. Il n'a pas jamais jusqu'à présent bailler certificat de décharge. Il n'a pas jamais en fait montré. Qui est sûr pour moi qu'on a qui est pour la fête? Ils sont venus là, ils ont seulement pour pouvoir. Ils ont pillé, ils ont cagoté, ils ont vendu le pays au détriment de la population. Moi-même, ça me comprend. Moi, maintenant, la déclaration que je fais déjà. Messieurs, dames, Kenyans au Kenya, ils n'ont pas porté en termes de résultats. Tout son work a dit, c'est vrai, il y a un paquet de propagande sur les réseaux sociaux qui a fait pour yo, oh oui, mais Kenya a mis des pieds à terre, mais bon, il y a des pieds à terre, est-ce que vous avez mis des pieds en l'air? Oui, il y a des pieds. Pour nous, j'ai une solution. Graduellement, le problème nous est là, l'État haïtien fait pour rapatrier la sécurité nationale. C'est l'armée, la police, crier dans le temps M. Bessapionde qui a des formations militaires, monter une tax force, il y a une police Kenya 14 000 $ par mois
pour venir faire artiste, pour venir faire touriste local, pour venir faire touriste, pour venir faire charabia. Essayez offrir messieurs militaires, créer une task force, des unités spéciales entre l'armée, la police, BESAP, qui est capable de gagner de 2000 à 3000 hommes. Formez-vous. Pas de garantie. Pas de couverture. Côté, vous n'êtes pas passif par aucun, devant aucun tribunal de droit commun. De un an, de un mois à un an. Sous ta paye 2-3 000, sous ta paye 170 dollars par mois. Comme bagu cop, je dis à mettre 500 dollars à disposition, unité ça. Je paye 500 dollars américains par mois. Dis moi paye 500 dollars. Ou dis moi paye 400 dollars américains par mois. Ou pas prendre toute police, à, non? Ou pas prendre toute l'armée, à, non? Ou créer une élite, une structure qui gagne un montant tax force. Et pour dire, monsieur ça, mangez pas sous contrôle. Mangez petit, pas sous contrôle. L'école petit, pas sous contrôle. Pendant un an, loyer caille pas sous contrôle. Maladie pas sous contrôle. Vous n'avez pas passé par aucun devant tribunal de droit commun. Vous avez un mandat pour rétablir l'autorité de l'État dans un an. Vous avez une couverture légale. Vous avez une couverture d'assurance. Monsieur Sayo, il y a un mandat pour rentrer, quel que soit action que fait, il y a un mandat pour rentrer dans quel que soit côté bandit. Je vous garantis, il y a près de 400 nègres qui étaient dans l'armée, que le gouvernement passé à Ariel Henry pas de bleu. C'est des gens qui ont une formation en guérilla urbaine en Israël, qui consacrent les pénétrations bien. Ou gon nèg dans l'armée qui c'est colonel Azeman dans l'armée qui cachita là son nèg plonge portail organique côté le pral levant dans village là ou prend monsieur ça ou mouton bagay ou ba yon responsabilité et pour payer moi bon garanti frère n'a pas joine résultat mais l'on dit monsieur Kenya ou dit communauté internationale force multinationale ou pas jamais gè sécurité ou pour qui ça parce que insécurité c'est une opportunité que vous créez pour yo. On ne peut pas avoir une opportunité pour moi et puis je vais combattre. Si c'est de lui que je vis, si c'est lui qui permet moi là, si c'est lui qui fait que toucher 14 000 dollars par mois, qui est intérêt bien pour me combattre? Monsieur, dame, nous sommes là. Qui est intérêt qui est un mort pour la prière pour ne pas mourir? Alors que c'est le monde qui mourit pour mourir la fortune. Qui est intérêt qui est un compagnie de sécurité à prier pour la sécurité? Alors que c'est une insécurité pour la compagnie fonctionner. Qui était le Kenya, Nations Unies, États-Unis, tout bien, hein? Dans la stabilité, nous, alors que c'est l'instabilité qui a l'opportunité pour venir exploiter les ressources sous sol que nous gagnons. C'est sous base de sécurité que nous venons là. Eh bien, si on résout le problème,